Oui, donc effectivement, l'affectation au report à nouveau permet aussi à la société de ne pas utiliser cette trésorerie. Donc le gérant peut effectivement prendre des dividendes. Maintenant, s'il n'en a pas besoin, on ne l'incite pas forcément à le prendre et à payer des impôts maintenant sur de l'argent qu'il n'a pas ni besoin ni la nécessité de récupérer maintenant. Donc ce sera toujours disponible plus tard. Mais il peut aussi, ce report à nouveau qui est positif, peut permettre de pallier à une année qui serait creuse. C'est-à-dire une année où il ferait un déficit, puisque la société ne peut pas avoir des capitaux propres inférieurs à plus de la moitié de son capital social. D'accord. C'est parce que sinon, ça remet en cause la santé financière de la société. Et donc ça, c'est pas possible. Donc effectivement, une année où on fait un déficit, bah, si l'année d'avant, le gérant a été Prudent. Prudent, voilà, et à laisser en report à nouveau. C'est pour ça que moi je leur conseille toujours de laisser un petit peu quand même, de pas vouloir absolument tout prendre pour pas. D'accord. Voilà, ça peut permettre de garder une société qui soit viable financièrement.